Ah, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes si reconnaissants pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous sommes si reconnaissants parce que cette semaine, une semaine s'est écoulée depuis la semaine dernière, que tu as envoyé ta parole et ta fidélité à parler. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est déjà un miracle. Le miracle, ce n'est pas d'abord la guérison. Le miracle, ce n'est pas la délivrance. Le miracle, c'est mon frère. Le miracle, c'est ma soeur connectée au son de ma voix. Le diable a envoyé des trains enflammés. Mais elle est encore là, il est encore là, sur ses deux jambes. Encore ferme, oublions ce qui est en arrière, courons vers l'avant. Père, c'est nous les miracles, nous sommes les miracles vivants. Nous sommes les imbattables. Nous sommes ceux qu'on ne peut pas les inébranlables. Te disons tellement, nous sommes tellement reconnaissants de ce que la pluie qui est tombée ne nous a pas emportés. De ce que le vent qui a soufflé ne nous a pas emportés. De ce que les torrents qui ont coulé ne nous ont pas emportés. Tu n'as pas laissé la noyade émotionnelle, la noyade spirituelle venir. Nous en voyer, nous éloigner de toi. Mais ta main nous a secourus, ta main nous a soutenus. En te rendant gloire de ce que tu es notre Dieu. Et nous savons que ce n'est pas le fruit d'un acquis. Ce n'est pas le fruit de l'hasard. Nous ne croyons pas au hasard. Nous ne croyons pas en ces choses. Nous croyons en ta grâce. Nous croyons en ce qui est venu nous soulever, ce qui est venu nous porter. C'est toi, c'est par ton esprit, par le Saint-Esprit. Alors nous savons que pour que la semaine qui arrive, nous vivions, nous soyons encore des miracles. Nous soyons encore des prodiges. Nous soyons encore des sujets de dépression pour l'enfer. Des sujets de haine, d'échec pour l'enfer. C'est simplement si tu viens. Si tu ne viens pas, on ne peut pas être ces miracles. Si tu ne viens pas, on ne peut pas être ces sujets de dépression pour l'enfer. Voilà pourquoi chaque jour tu es réclamé. Voilà pourquoi nous ne lassons pas de chanter les mêmes chants. Nous ne lassons pas de faire monter vers toi les mêmes phrases et les mêmes prières. Parce que la vérité, c'est que nous avons compris que nous avons tout pleinement en toi. On ne se lasse pas. On ne se lasse pas de la monotonie de la prière. Non, on ne se lasse pas de la monotonie des sujets de prière. Parce que nous savons que c'est toi que nous recherchons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous réclamons. Oh, Razeke Tarabash. Mandedoso Derebeshaka Taraba. Oh, Père, nous n'avons pas d'autre sujet. Nous n'avons pas d'autre désir. Tu es l'objet de notre contemplation, le sujet de notre adoration. Tu es la première pensée à notre éveil et la dernière pensée à notre coucher. Tu es celui qui envahit notre vie, de la plante des pieds au sommet de la tête. C'est toi que nous réclamons, c'est toi que nous recherchons. Oh, Rabbi Zeketeribo Shamante. Réclamer, tu es réclamé, tu es réclamé, tu es réclamé. Paraclet, réclamé, tu es réclamé, paraclet, tu es réclamé, tu es réclamé, Dieu fidèle, réclamé, tu es réclamé, mon amour, tu es réclamé, ma vie, tu es réclamé, mon époux, réclamé. Tu es réclamé, ma solution, tu es réclamé, ma formule, tu es réclamé, mon secret est réclamé. Tu es réclamé, mon amoureux, tu es réclamé, mon pilier, tu es réclamé, juste toi réclamé, et toi seul, tu es réclamé, personne d'autre, tu es réclamé, rien d'autre, tu es réclamer, 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 tu es réclamé, tu es réclamé, c'est le chant, tu es réclamé, des assoiffés, réclamé, c'est le chant, tu es réclamé, des hommes, tu es réclamé, et des femmes, tu es réclamé, de la présence de Dieu, réclamé. Tu es réclamé plus que hier, tu es réclamé moins que demain, tu es réclamé comme jamais auparavant, réclamé. Tu es réclamé, Saint-Esprit, tu es réclamé, Saint-Esprit, tu es réclamé. Au-delà des mots, réclamé, au-delà des chants, réclamé, nous te voulons, tu es réclamé. Tu es réclamé, Saint-Esprit, réclamé, glorieux, tu es réclamé, magnifique, tu es réclamé, Alpha, tu es réclamé, Oméga, réclamé.
Tu es réclamé. Tu es réclamé. Tu es réclamé. Saint-Esprit, tu es réclamé. Saint-Esprit, tu es réclamé plus que hier. Saint-Esprit, au-delà des mots, tu es réclamé, au-delà des chants, Saint-Esprit, c'est des hommes et des femmes de la présence, tu es réclamé, qui te cherche, Saint-Esprit, dans une terre aride, tu es réclamé, dans une terre desséchée, Saint-Esprit. Esprit comme une biche, tu es réclamé, réclamé, courant d'eau sainte. Esprit comme la femme, tu es réclamé à la paire de sang saint. Esprit et tu réclamais, tu es réclamé comme à la Pentecôte saint. Esprit comme Paul et Silas. Tu es réclamé, Dieu des derniers jours, Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole, tu es réclamé, je répandrai de mon esprit, Saint-Esprit, vos fils et vos filles, tu es réclamé, prophétiseront, Saint-Esprit, esprit des prophètes, tu es réclamé, Dieu d'amour, Saint-Esprit, guérisseur par excellence, tu es réclamé, solution de Dieu, Saint-Esprit, image du Dieu invisible, tu es réclamé. Mais ma rédemption, Saint-Esprit, ma transformation, tu es réclamé, ma distinction, Saint-Esprit, juste toi, tu es réclamé, je ne veux rien d'autre, Saint-Esprit, uniquement toi, tu es réclamé, j'ai dit unique. Mon toi, Saint-Esprit, tu es réclamé, tu es réclamé, toi ma victoire, Saint-Esprit, ma raison de vivre, tu es réclamé, mon but dans la vie, Saint-Esprit, mon oxygène, tu es réclamé, toi ma respiration, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le tue, est réclamé, qui est en train de le réclamer, Saint-Esprit, est-ce que tu peux exprimer ta soif en ce lieu, tu es réclamé, oh, de commun accord, Esprit persévérant, tu es réclamé dans la prière, Saint-Esprit dans la supplication, tu es réclamé, je ne veux rien d'autre, Saint-Esprit, merci pour la gloire des hommes, tu es réclamé, merci pour les prodiges de main, Saint. Esprit, merci pour les miracles, mais tu es réclamé. Merci pour l'Ien Together, mais c'est toi l'essentiel, tu es réclamé. C'est toi le plus important, Saint-Esprit. Merci pour les relations, mais tu es réclamé. Merci pour les témoignages, mais Saint-Esprit. Merci pour les diplômes.
lendemain, tu es réclamé. Merci pour l'élévation, main sainte. Merci pour l'appel, main. Tu es réclamé. Merci pour les dons naturels, main sainte. Merci pour les dons spirituels, main. Tu es réclamé. C'est toi qui es recherché, Saint-Esprit. À l'horizon de ma vie, tu es réclamé sur le couloir de ma destinée, Saint-Esprit. Dans le chemin de mon témoignage, tu es réclamé en allant à Canaan, Saint-Esprit. Dans le processus de ma vie, tu es réclamé dans l'itinéraire que je dois prendre, Saint-Esprit. À l'école du Saint-Esprit, tu es réclamé, toi uniquement en toi, Saint-Esprit glorieux, tu es réclamé, tu es réclamé, réclamé, magnifique, tu es réclamé, toi l'amour de ma vie, réclamé, oh, c'est le plus important, ce lieu, tu es réclamé, que nos yeux soient fixés sur toi, réclamé, que nos cœurs s'inclinent vers toi, tu es réclamé, viens faire ton ministère. Réclamé au travers d'un écran, tu es capable de te manifester. Tu es réclamé au travers d'un écran, tu es capable de immerger quelqu'un. Réclamé comme sur la route de Damas, tu es réclamé comme dans la chambre haute. Réclamé comme dans la fosse au lion, tu es réclamé au milieu du feu. Réclamé comme dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es réclamé contre le jardin de Gethsémani, réclamé agneau de Dieu, tu es réclamé, tu es de moi le plus important, réclamé, mes yeux sont sur toi, tu es réclamé, mon frère et ma soeur s'attendent à toi, réclamé. Magnifique, tu es réclamé. Fais irruption dans les affaires des hommes, réclamé. Que nous sommes des pistes d'atterrissage, tu es réclamé. De la gloire de Dieu, réclamé. Tu es réclamé, fais de nous des modèles d'autres générations, réclamé, fais de nous. Tu es réclamé des prototypes de ta gloire, réclamé des œuvres d'art. Tu es réclamé des chefs-d'œuvre dans notre époque, réclamé des panneaux de signalisation. Tu es réclamé qui révèle aux hommes ta gloire, réclamé fais de nous des hommes et des femmes. Tu es réclamé de la présence de Dieu, réclamé tout ce qui était pour moi. Tu es réclamé comme un gain, je l'ai vu, réclamé comme une perte, tu es réclamé à cause de l'excellence de ta connaissance, réclamé, réclamé, tu es réclamé, glorieux, magnifique, admirable, réclamé, véritable, adorable. Appréciable, réclamé, honorable, désiré, recherché, réclamé, supplié, imploré, désiré, réclamé, 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 tu es réclamé. Oh, Holy Ghost, you're the one that we need. You're the one that we want. We just cry out to you tonight because we shout, we need your presence. We want to dwell in your presence. Oh God.
Oh, des bruits, ça. Amen. Vas-y, amen. Alors, Jésus. Dans l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Comme je vous ai dit, sous mes travaux caméra, je ne prêche pas. Donc aujourd'hui, celui que je prêche, non, la caméra. Veux que je m'amuse. En tout cas, arrangez-vous pour que ceux qui sont devant moi, je vois tous les visages. Voilà. Ceux qui ne veulent pas me dire le remarque, arrangez-vous pour que devant moi, je vois tous les visages. Donc, en fait, vu que je ne sais pas si tu es devant moi ou pas, tout le monde en met. Voilà. Donc, j'attends. J'attends, 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 j'attends. Gloire à Dieu. Alors, je t'invite à inviter une personne, à 12 personnes. Une personne, 12 personnes. J'ai mis 12 personnes, pas 11, pas 13, 12 personnes. Tu vois le lien, tu fais comme moi, tu envoies le lien à une personne, tu mets une personne à se connecter. Et tu envoies le lien. Alors que je vous ai dit, il faut que ceux qui sont devant vous mettent la caméra. Mettez-vous tous vos caméras parce qu'il y a encore, je vois qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas mis. Non, mettez. Parce qu'il faut que devant moi, il faut des visages. Essayez de monter. Non, hein? T'es pas en train de donner un joli prénom, mais. Père, c'est important. Amen. Nous venons de voir des visages. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Fais chaud ici. Hein. Fais chaud bien, c'est la gloire de Dieu. Parce que là, c'est chaud. Amen. Waouh. Nous sommes, je me rends compte devant j'ai mis le numéro du message aujourd'hui. J'ai marqué 8. Ça fait 2 mois qu'on a commencé. Ça va tellement vite. Ça fait 2 mois qu'on a commencé cette série. Wow. Ça va tellement vite. Effectivement, nous sommes au 8e message de cette série. Comme vous avez remarqué depuis l'année dernière, on dirait cette année, on va faire comme l'année dernière, on a une seule série toute l'année. On a parlé de la même chose. On avait plus de 30 messages. Une trentaine de messages. Mais c'est ça, en fait, Dieu, il envoie sa parole. Plus vite tu assimiles, plus vite on passe à autre chose. Et il voit que tu ne veux pas accepter, il va revenir dessus. Taper, taper, taper. Donc voilà pourquoi tu as remarqué que mes messages, on a l'impression que ça se suit, c'est la même chose. On va revenir dessus, il faut que ça rentre dans ta tête. Il faut que ça rentre dans ta tête. Il faut que ça rentre dans ta tête. Tu dois devenir la représentation, tu dois devenir ce que Dieu veut que tu deviennes et tu le deviendras. C'est-à-dire, tu dois devenir ce que tu veux que tu deviennes et tu le deviendras. Ta vie ne va contempler, ta vie ne va refléter qu'un seul, Jésus le Christ, personne d'autre. Tu vas révéler ce que tu vas pas révéler maman. Tu vas pas révéler un esprit impuissant, mamie Wata, non, 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 tu vas révéler Christ. Tu vas révéler le Saint-Esprit. Quand j'ai des choses comme ça, il faut que tu ramènes derrière ton écran, pas me regarder comme c'est un spectacle. On n'est pas dans une comédie, je suis en train de bénir ta vie. Hein? Je suis le résultat des paroles des pères. Je suis le résultat des déclarations qui ont été envoyées dans l'atmosphère. Et tu penses que le simple fait de dire Amen, c'est juste un slogan, je n'ai rien compris. Je suis le résultat. Ma vie est le résultat de ce que j'ai entendu dire. On dit, tu seras, tu dis Amen. Je ne le suis pas. Aujourd'hui, toute ma vie me dit que non, tu n'es pas. Ce n'est pas grave, je le serai un jour. Parce que tant que la vérité a toujours au Dieu, ta parole suffit dans les cieux. Je vais manifester la vérité. Tant que je marche avec Dieu, je vais manifester la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Ce n'est qu'une question de temps. Ton combat, ce n'est qu'une question de temps. Dis Amen. Si tu es né de Dieu, c'est qu'une question de temps. Si tu t'accroches à Dieu, c'est qu'une question de temps. Dans mon livre, c'est ce que j'explique. Ça, c'est ça le plus important. J'explique que tôt ou tard, tu finiras par manifester la liberté. Faut juste t'accrocher. Tu as juste une chose à faire. Accroche-toi. Tôt ou tard, tu finiras par manifester. Gloire à Jésus. En tout cas, nous sommes à la 8e semaine de notre série qui s'appelle Consacré à Dieu. Donc, c'est une série qui parle de la sanctification. Voilà pourquoi je suis étonné. Je remarque un peu chaque semaine, je vois les personnes qui sont assidues. Je vois que toi, vraiment, tu veux manifester la sanctification. Tu veux manifester la sainteté et tu le manifesteras. Je vois une personne qui veut vraiment devenir l'image et la ressemblance de Dieu, qui veut pas, qui veut pas, qui veut non seulement être libéré du péché, mais pas seulement être libéré, qui veut manifester Dieu. Parce que si ta motivation, c'est libérer du péché, quand tu seras libéré, c'est une question de temps que tu repartes à ce que tu as vomi. Ah, le chien repart à ce qu'il a vomi. Tu vois? Mais quand ta motivation, c'est être libéré, ressembler à Dieu, même quand tu es libéré, tu es encore là.
et tu montes en consécration, que cela devienne ta motivation. Et c'est ça le but de cette série. Le but de cette série, c'est d'amener à te consacrer à Dieu, non pas par désir d'être libéré des péchés, non pas par peur d'aller en enfer, mais justement par amour pour lui. Par amour pour lui. Et plus tu vas monter, plus tu vas monter dans ta sanctification, plus il va te donner des responsabilités. Là, maintenant, ta motivation de sanctification va changer en dépendamment des responsabilités qu'il te donne. Mais Jésus a dit, par exemple, c'est une petite parenthèse, hein, c'est pas mon message. Jésus a dit, par exemple, il a dit, je me sanctifie pour vous. Ça veut dire que Jésus se sanctifiait par amour pour le Père, mais ses responsabilités s'amenaient à se sanctifier pour les personnes qui étaient sa responsabilité. Donc, par exemple, moi, je me sanctifie parce que j'aime Dieu, mais aussi à cause de toi. Imagine si tu apprends qu'on dit, je vais aller en boîte de nuit. Comment dit hein? Si tu vois, si tu tombes sur quelque chose là-bas, on dit, il a fait ci, il a fait ça. Comment? Est-ce que tu vas pas me décrédibiliser? Tu vas pas me prendre au sérieux? Voilà, quand Jésus a dit, je me sanctifie pour les pauvres. Tu peux dire, non, on connaît ça. Tu peux dire, non, on va te pardonner, on va prier pour t'emmener. Toi, mais tu sais que dans ton cœur, il y aura des choses que je vais dire. Tu vas faire, Toi aussi, toi. Seigneur, c'est parce que tu as dit qu'il ne faut pas toucher à tes oies, mais sinon, l'huile. Amen. Donc, cette série, vraiment, nous parle de la consécration, nous parle de la sanctification. Nous parle de l'importance de ressembler à Dieu, tout simplement. Ta vie, tu dois ressembler à Dieu, tu dois refléter Dieu. Tu dois être le résultat de ce que Dieu a déjà fait de toi, pas de ce qu'il va faire de toi, de ce qu'il a déjà fait de toi. D'où l'importance de l'enseignement. Moi, je vais enseigner. Je vais enseigner, continuer à enseigner. Enseigner. Comme ça, il y a une personne qui n'aime pas bosser ses cours, qui n'aime pas aller à l'école, au moins les vendredis, tu iras à l'école du Saint-Esprit. Amen. Le titre de mon message, c'est Une clé pour arrêter de lutter avec ce qui déplaît à Dieu. Initialement, j'avais envie de mettre péché, mais je me suis rendu compte que non, je ne vais pas mettre péché. Parce que quand on met péché, les gens pensent automatiquement à l'impudicité, vous pensez que c'est le seul péché qui existe. Voilà. Donc, comme ce n'est pas seulement l'impudicité qui déplaît à Dieu, mais que la jalousie déplaise à Dieu, que les critiques déplaisent à Dieu, que les moqueries déplaisent à Dieu. J'ai décidé alors de mettre une clé pour arrêter de lutter avec ce qui déplaît à Dieu. Amen. Une clé pour arrêter de lutter avec ce qui déplaît à Dieu. En fait, c'est tout simplement une clé en fait, pour te consacrer, en fait, c'est ce que ça veut dire. Si on dit une clé pour arrêter de lutter avec ce qui déplaît à Dieu, ça sous-entend une clé pour te consacrer, tout simplement. Ce qui est avec moi, mais amen. Amen. Alors, si tu es sensible à l'esprit, mais pas si tu es sensible à l'esprit, en fait, ce n'est pas de la sensibilité à l'esprit. Si tu as revu tous les messages qu'on s'est dit depuis le début de la série, tu as alors pris conscience que la première des clés que Dieu nous a données pour se consacrer, c'est laquelle? C'est le fait de se livrer à Dieu, n'est-ce pas? C'est la première des clés. Normalement, si tu as suivi les messages, c'est ce que tu as dit. Normalement, c'est le message qui devait être transmis. C'est la clé qui a été partagée. La première des clés pour se consacrer à Dieu, c'est se livrer. On a dit, c'est se livrer à Dieu. On a dit, c'est quoi? Se prosterner et adorer. L'action de se livrer, l'action d'incliner toute sa vie, d'incliner tout le déroulé de sa vie à Dieu. On a dit que c'est la première clé pour manifester la consécration. Parce qu'on a dit que se livrer à Dieu, ça fait de lui quoi? Notre Seigneur. De notre Seigneur. Et quand il devient notre Seigneur, il manifeste maintenant sa facette que je t'ai dit, on appelle le Dieu jaloux. J'ai parlé de ça, je n'ai pas revenu dessus. Et on a dit que quand tu te livres à lui, tel un holocauste dans l'Ancien Testament, tu allumes un feu. Et que c'est là maintenant que tu expérimentes sa facette qu'on appelle le feu dévorant. Et tu dis que le feu dévorant, c'est quand Dieu vient diriger tes pulsions, tes désirs vers l'esprit. C'est quand tu as remarqué que ta vie est conduite vers des pulsions où ce n'est plus des pulsions charnelles, mais c'est des pulsions spirituelles. Où tout ce que tu veux faire, c'est prier. Tout ce que tu veux faire, c'est méditer. Tout ce que tu veux faire, c'est penser à Dieu. Cette dimension est possible. Il y a une personne qui a commencé à l'expérimenter cette semaine. Elle était comme ça, puis pouf, elle a envie de prier. Le feu dévorant t'a localisé. Pouf, tu as envie de méditer. Le feu dévorant t'a localisé. Et ce feu va grandir au nom de Jésus, ça va grandir. Mais je t'ai dit que le premier secret pour arriver à cette dimension-là, de la consécration, c'est se livrer à Dieu. En fait, c'est le premier secret. Amen. Voilà pourquoi on a pris 7 semaines. Donc, tu as vu, on a pris 7 semaines pour parler de ça. Parler de comment se livrer à Dieu. Là, tu as 7 messages. Tu ne peux pas me dire que je ne sais pas comment me livrer à Dieu. Si tu me dis ça, il y a un problème. Tout est sur la page. Voilà pourquoi ça, il y a des personnes qui m'envoient des messages souvent. Ah, je voudrais, comment on fait ça? Je dis bonjour, tu vas bien? Ok, puis j'envoie un lien. C'est tout. Pas venu te faire tous les messages, va regarder le message. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, des gens ne veulent pas forcer, ils ne veulent pas être libérés. Tu sais, il y a deux types de prisonniers. Il y a le prisonnier qui veut sortir de prison parce qu'il en a marre de prison. Et il y a le prisonnier qui veut sortir de prison parce qu'il veut devenir une meilleure personne. Il se dit que ça, ce n'est pas sa vie. Il peut faire mieux. Tu vois, dans ces deux-là, si on les libère les deux, celui qui veut sortir de prison parce qu'il en a marre de prison, il va rentrer en prison, il va revenir en prison.
Parce que lui, c'est juste la condition de la prison qui l'énerve. Mais la personne qui veut sortir de prison parce que elle se dit, il faut que sa vie change. Elle peut mieux faire, elle peut être une meilleure personne. Quand elle sort, sa vie devient un témoignage. Mais il y a beaucoup de personnes, hein, ils m'envoient des messages, ils veulent être libérés parce qu'ils ont envie d'être libérés. Hein, parce qu'ils en ont marre de la condition. Parce que quand tu veux devenir une meilleure personne, quand on te dit, tiens, le lien, va regarder, tu ne te sens pas offusqué. Tu n'as pas l'impression qu'on ne prend pas soin de toi. J'ai déjà parlé pendant une heure devant te dire, n'est qu'à venir prendre une heure encore pour te redire ce que j'ai déjà dit, alors que c'est déjà enregistré. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. I will not do it. Comme mon père spirituel. Mon père spirituel, quand il prêche comme ça, puis il met en anglais, il met une phrase en anglais. Amen. Donc le titre de mon message, c'est une clé pour arrêter de lutter avec ce qui te déplaît à Dieu. Et la première clé, on a essayé de se livrer à Dieu. Donc en soi, ce que je vais t'expliquer, c'est la deuxième clé, n'est-ce pas? C'est la deuxième clé. La deuxième clé, on rentre directement dans le message. La deuxième clé pour se livrer à Dieu. La deuxième clé, non, la deuxième pas pour se livrer à Dieu, la deuxième clé pour se consacrer à Dieu, excuse-moi. La deuxième clé pour se consacrer à Dieu, c'est connaître ton identité en Christ. Connaître ton identité en Christ. Connaître ton identité en Christ. Ça veut dire, apprends à savoir qu'est-ce que Dieu a déjà fait de toi. Apprends à savoir qui tu es en Christ. Apprends à te voir comme Dieu te voit. Est-ce que tu sais comment Dieu te voit? Tu te vois comme une personne sainte, une personne participant à la nature divine, une personne élevée, justifiée, sanctifiée, mise à part, appelée, glorifiée avec lui. C'est comme ça que Dieu te voit. Mais si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu ne pourras pas manifester ce que Dieu a dit que tu es déjà. En fait, tu luttes parce que Dieu m'a dit, en fait. En fait, initialement, le titre de mon message, c'était, après j'ai changé, le titre de mon message, c'était, après m'être livré à Dieu. Je vois très peu de résultats. Comment faire? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entre nous, on s'est déjà livré à Dieu. On a déjà donné quelque chose de Dieu, de valeur. Mais on a l'impression que ce n'est pas suffisant. Comme si ça n'a pas suffi. En fait, tu dois revenir à la source. Revenir à l'identité. Revenir à te voir comme Dieu te voit. Parce que quand tu te vois comme Dieu te voit, tu manifesteras les choses de Dieu plus facilement. Tu n'as même pas besoin de te livrer. Tu as juste besoin de te voir comme Dieu te voit. Quand Abraham a su se voir comme étant père de multitude, il a engendré Isaac. Lui qui était stérile. Il ne s'est pas d'abord livré pour engendrer Isaac. Il a dû se voir comme Dieu le voyait. C'est qu'il est avec moi, et Amen. Donc, la deuxième clé, c'est connaître ton identité en Christ. Connaître ton identité en Christ. Et alors, vu que je t'ai expliqué la semaine dernière qu'il y a un combat. Okay? Donc, ta consécration même est un combat. Tu vois? Et si on parle de consécration étant un combat, parce que ta consécration est un combat entre la chair et l'esprit. Ta chair ne veut pas que tu te consacres. Ton esprit veut que tu te consacres à Dieu. Ton esprit veut la sanctification, ta chair ne veut pas. Voilà pourquoi on dit que la chair est faible. Donc c'est un combat entre la chair faible et l'esprit qui est bien disposé. Amen. Et dans ce combat, vu que c'est un combat, et dans le monde spirituel, je t'ai dit que chaque combat est fait par la parole, ça veut dire que ce n'est pas une parole que tu vas gagner, c'est une parole que tu vas perdre. Mais je t'explique que la parole est l'arme du combat. Mais une âme a différentes facettes, une âme a différentes formes. De même qu'un char, un char peut protéger la personne qui est dans le char, de même un char peut envoyer des missiles. C'est une arme, mais avec différentes capacités, différentes formes, différentes facettes. La parole est de même. La parole est ainsi. La parole a différentes capacités, différentes facettes. C'est qu'avec moi encore, il me met amen. Alors, ce n'est pas une parole que tu peux gagner le combat de la consécration. Maintenant, si je te dis que, tu t'es dit que le secret, c'est de revoir ton identité, ça veut dire que tu as besoin d'une forme de la parole pour revoir cette identité-là. Parce que je t'ai dit la semaine dernière qu'un secret pour se consacrer, c'est se livrer. Je t'ai dit alors que tu as besoin de la parole sous sa forme de feu, n'est-ce pas, pour te livrer. Alors si je te dis que c'est revoir ton identité en Christ, là, te permettre de te consacrer, alors tu as besoin de la parole sous une certaine forme pour pouvoir revoir cette identité-là. Si tu es avec moi, mais ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Amen. Et une personne, surtout si tu regardes ce message et tu ne comprends pas le début, ne t'inquiète pas, garde. Parce que je sais que là, tu ne comprends plus, tu as voulu te déconnecter. Sois calme. Attends, suis-moi seulement. Faut toujours faire sens. C'est une personne qui dit, mais il parle de quoi? Moi, je ne comprends pas. Sois calme. Amen. Alors, pour revoir ton identité en Christ, tu as besoin de la parole. Parce que la parole est l'arme dans le monde spirituel. Mais dans sa forme qu'on appelle la forme marteau. C'est qu'avec moi, mais amen. Allons directement dans Jérémie 23, verset 29. Oh, brasier qui était les beaux. Et on va y aller. Tu vas comprendre. Mais ça, l'esprit a déjà ça ce matin. Et les circonstances un peu tumultueuses. Mais on est là ce soir.
Et nous rendons gloire à Jésus-Christ. Vraiment. Amen. Alors, la Bible dit, ma parole, donc Dieu parle de sa parole, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alors, j'aimerais dire en fait que la parole, c'est pas seulement la parole de Dieu, mais c'est la parole en général. Parce que même la parole du diable vient de la parole de Dieu, parce que la parole du diable, c'est la parole de Dieu corrompue, détournée. OK? Ben, ça vient de la parole de Dieu, mais détournée. C'est la parole de Dieu corrompue. Ça vient de Dieu, parce que toute chose a été faite par la parole. Au commencement, c'était la parole. La parole, c'est une personne. Hein? Et le diable sort de la parole. Que le diable sort de Dieu. On peut aller là-bas. On a qu'à fermer. Bon, on ferme la parenthèse. Hein? Donc, la parole n'était pas comme un feu. Mais c'est toutes les paroles. Donc, ça veut dire, de la même manière que la parole de Dieu peut être un feu, même la parole qui vient du diable peut être un feu. J'ai expliqué la semaine dernière que la parole fait, c'est la parole pulsion. Par exemple, si tu mets ta main sur un feu, tu fais, aïe! Voilà. Il y a des paroles comme ça qui viennent en toi et puis paf! C'est comme des pulsions qui te poussent à pousser, à mener une action. Je te dis que la pulsion, c'est ce qui vient avant l'action. Est-ce que je t'ai expliqué? Et ça, c'est la parole feu. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui monte en toi. Et par exemple, quand tu étais dans le monde, il y avait des feux qui montaient en toi, des pulsions qui montaient en toi, des voix en fait que tu entendais dans tes membres, que tu entendais dans ton corps, que tu disais, fais ça. Et en venant à Christ, ces mêmes voix-là sont venues, mais c'est un autre feu. C'est un feu différent. Là, c'est le feu de la sainteté. C'est le feu dévorant. C'est le feu qui t'amène à pousser les actions en faveur de l'obéissance à Dieu. Mais il y a une autre forme de parole qu'on appelle le marteau qui brise le roc. Donc aujourd'hui, je suis venu te parler de la parole dans sa forme marteau. C'est la parole dans sa forme marteau qui te permet de revoir ton identité en Christ. Et c'est revoir ton identité en Christ qui te permet de te consacrer. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord savoir, regarde-moi le verset, il faut d'abord savoir qu'est-ce que cette parole fait. Pour savoir de quoi il s'agit, il faut savoir de qu'est-ce que cette parole fait. Et le verset te dit quoi? Et comme un marteau qui brise le roc. Ça veut dire, avant de savoir de quelle parole il s'agit, il faut savoir qu'est-ce que cette parole fait. Quel est le but de cette parole? Quelle est l'utilité de cette parole? Et l'utilité de cette parole, c'est que le marteau brise le roc. Le marteau brise le roc. Alors, je vais te poser maintenant la question, mais c'est quoi le roc? Est-ce que quelqu'un se pose cette question? Mais c'est moi qui me pose cette question. C'est le marteau qui brise le roc. Mais qu'est-ce que c'est le roc? Avant de savoir la parole marteau, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Il faut savoir qu'est-ce que ça fait. Il te dit, ça brise le roc. Mais c'est quoi le roc? Et pour ça, il faut directement aller dans Matthieu 7, au verset 24. Matthieu 7, au verset 24, la Bible dit, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, quand tu regardes ce verset, Jésus te dit, c'est lui qui parle, hein, et il te dit que le roc, donc le roc que le marteau brise là, le roc, c'est un fondement sur lequel on bâtit une maison. Amen. Un fondement sur lequel on bâtit une maison. Mais quand tu lis Matthieu 7, tu vas te rendre compte que Jésus, lorsqu'il parle de maison ici, est en train de parler de la vie d'une personne. En soi, il est en train de dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti sa vie sur le roc. Qui a bâti sa vie sur le roc. Non, ça veut dire que le roc, c'est le fondement sur lequel quelqu'un bâtit sa vie. C'est le fondement sur lequel l'on bâtit sa vie. C'est le fondement sur lequel quelqu'un fonde sa vie. Il enracine sa vie. Amen. Maintenant, c'est quoi le roc? Parce qu'il dit quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. C'est quoi le roc? Le roc, c'est la parole de Dieu. Ou c'est la parole. On va même pas dire, tu vas aller dans la parole. C'est la parole. C'est une simple parole. À chaque fois que tu vas au roc, rappelle-toi la notion de parole. Et c'est ce que je vais te prouver d'abord. Avant même de parler de la notion de parole de Dieu, c'est une parole. Parce qu'avant que la parole de Dieu devienne parole de Dieu, il faut qu'elle soit une parole, au préalable. Si tu es avec moi, tu m'amènes. Ce message est facile. Normalement, tu arrêtes de me regarder comme ça. Les personnes me disent, ah, hein? C'est trop facile. C'est trop facile. Hein? Le roc. Okay? Le roc, c'est une parole. Le roc, c'est ce sur quoi l'on bâtit sa vie. Donc, ça veut dire que chaque vie est bâtie sur des paroles. Et je vais te montrer deux raisons qui prouvent que roc, là, c'est une parole. Parce que si je te dis quelque chose, il faut que je te le prouve. C'est ça un enseignement. Et je vais te le prouver. Deux raisons qui vont te prouver que le roc, c'est une parole. Allons-y directement dans Apocalypse 19. Non, regarde-moi le verset d'abord. Ici, Jésus est en train de parler de qui? Quand il dit. Non, on revient. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand Jésus parle du roc ici, il parle de qui? Il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Il est en train de parler de lui-même. Je te dis, si tu ne savais pas, il est en train de parler de lui-même. Amen. Jésus est en train de parler de sa propre personne. OK? Maintenant, regarde. Jésus
s'appelle Roc. Il se dit, je suis le Roc. Il se dit, je suis le Roc. Maintenant, Apocalypse, le même Jésus qui s'appelle Roc, Apocalypse l'appelle la parole de Dieu. Regarde. Il dit, puis je vis le ciel ouvert et voici Paris un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. Il s'agit ici de Jésus. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 13, rapidement. Il était revêtu d'un vêtement teint. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire que dans cette parabole-là, le roc, c'est Jésus. Mais Jésus s'appelle la parole de Dieu. Ça veut dire que le roc, c'est quoi? C'est la parole. Ça veut dire que c'est la parole. Si il est le roc, et que le roc te dit qu'il s'appelle la parole de Dieu, ça veut dire que le roc, c'est la parole de Dieu. Si tu es avec moi, tu me mets à même. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est dans Matthieu 16, du verset 15 à 18. Et j'ai besoin encore que tu me suives. Et parce que je finis mon message. Waouh. Aujourd'hui, je ne vais pas durer du tout. Il dit, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, prochain verset, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Prochain verset, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du ciel des morts ne prévaudront point contre elle. Garde-moi maintenant ce verset. Ici, tu as remarqué, il donne deux pierres. Il dit, tu es Pierre, et il dit, je suis cette pierre. Ce n'est pas le même Pierre. Le premier Pierre dans ce verset, c'est Pétros. C'est Pétros. Ça veut dire Simon Pierre. Ça, c'est le prénom de Pierre. Mais le deuxième Pierre, ce n'est pas Pierre Pétros. C'est Pierre Petra. C'est le grec qui veut dire, en un autre terme pour ce Pierre-là, le sucette Pierre, c'est Petra. C'est un autre terme, ça veut dire, c'est quoi? C'est roc. Autrement dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, sur ce roc, autrement dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Alors, tu me diras, mais quel roc? Mais en quoi? Il parle de quoi alors? Parce que quand on lit ce verset, on pense que Dieu est en train de dire qu'il va bâtir son église sur Simon-Pierre. Non. Et l'on se dit, je vais bâtir mon église sur un roc. Sur Pierre, sur un roc. Mais quel roc? Justement, le roc du verset 15. Ramène-moi le verset 15. Sur le fondement du verset 15. Et le fondement du verset 15, c'est quoi? C'est une parole. Il regarde, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Autrement dit, je vais bâtir l'Église sur ce roc-là. Quel roc? Le fait que je suis le Christ, le Fils de Dieu. C'est ça le fondement. C'est ça le roc de l'Église. C'est tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, il dit, tu es cette pierre. Autrement dit, tu es ce roc. Et c'est sur ce roc que je bâtirai mon Église. Quel roc? Cette parole, ce que Pierre a dit là, c'est ça qu'est le roc. Donc le roc, c'est une parole. Le roc, c'est ce sur quoi on bâtit quelque chose. Le roc, c'est un fondement. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est le roc de l'Église. C'est le fondement. C'est une parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une personne qui ne me comprend pas. Le roc, c'est une parole. Le roc, c'est une parole. C'est ce sur quoi on bâtit une Église. Une vie plutôt. C'est ce qu'on bâtit une vie. Donc quand on te parle du marteau qui brise le roc, ça veut dire que c'est un marteau qui vient toucher à un fondement particulier. Arrangez-vous pour que ceux qui soient devant vous mettent la caméra. Vous mettez la caméra qui est devant vous. Voilà. Amen. Le roc, c'est alors les paroles sur lesquelles sont bâties les vies. Sur lesquelles ta vie est bâtie. Ok. Maintenant que tu as compris que le roc, c'est une parole, et quand tu as dit que le marteau qui brise le roc, ça veut dire que le marteau, c'est une forme de parole qui vient briser une autre parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Maintenant, quelles sont les paroles sur lesquelles ta vie a été bâtie? Ta vie a été bâtie sur des paroles qui constituent ton identité. Tes principes, ce sont des paroles. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne m'habille pas comme ça. Nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. Tout ça, c'est des paroles, n'est-ce pas? Les valeurs, c'est des paroles. Les conseils que tu as reçus, c'est des paroles. Nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. Toi, ma fille, tu ne dois pas faire ça. Toi, ma fille, tu dois faire ça. Toi, mon fils, tu dois faire ça. Tout ça, c'est des paroles qui ont bâti, qui sont devenues, qui ont fondé ta vie.
Tu es le résultat, l'esprit m'a dit. L'esprit m'a dit que tu es le résultat des, de l'identité que tu es. Tu es le résultat des principes, des conseils que tu as reçus. Tu es le résultat de ton système de pensée. Ce que tu es aujourd'hui là est juste le résultat de la réflexion que tu as eue depuis ton enfance. C'est le résultat des valeurs que l'on t'a inculquées. C'est le résultat des croyances que tu as eues, de l'éducation. Mais tu as remarqué que l'éducation, les croyances, les valeurs, la réflexion, le système de pensée, les principes, les conseils reçus, tout ça, c'est des paroles. C'est des rocs, en fait. C'est sur ça que ta vie est fondée. Ta vie est bâtie sur des principes. Ta vie est bâtie sur les conseils que tu as reçus de tes parents. Ta vie est bâtie sur les systèmes de pensée que tu as reçus de la société, de ta génération, de ton époque. Ta vie est bâtie sur ta réflexion. Ta vie est bâtie sur tes valeurs, sur les croyances, sur l'éducation que tu as reçue. Mais toutes ces choses que je viens de citer, ce sont des paroles que tu as reçues. C'est, on ne t'a pas écrit. Ce sont des paroles qu'on t'a dit, pour, on t'a dit que l'éducation, ça marche, ça fait si. Ce sont des paroles que tu as reçues. Est-ce que quelqu'un avec moi me comprend? Ce sont des paroles que tu as reçues. Amen. Et ces paroles-là ont formé des rocs. Ont formé des fondements sur lesquels tu as bâti la maison qui est ta vie. Si quelqu'un maintenant il me comprend, parce que là maintenant je sais qu'il y a une personne qui me comprend mieux. Parce que je voyais vos visages. Là je sens qu'il y a une personne qui me comprend. Amen. Donc ta vie en fait, est le, tu as bâti ta maison, et ta maison c'est ta vie, sur ces paroles-là, sur les croyances, sur les principes, sur les conseils, sur le système de pensée. Et ces choses-là constituent en fait un roc, des fondements. De ta maison, de ta vie, tout simplement. De ta vie. Alors, Dieu m'a parlé. Et c'est maintenant que je rends mon message. Dieu m'a dit, et là, maintenant, je vais commencer à vous choquer, parce que je suis là pour ça. Vous savez, c'est pour ça que vous aimez vous connecter chaque vendredi. Et que je vous choque. Qu'on fasse tomber des écailles de vos yeux. L'Esprit m'a dit, à chaque fois, et il m'a parlé comme ça, il m'a dit, à chaque fois que tu vois un bâtiment, ou une maison, tu peux prendre l'édifice que tu veux. Moi, par exemple, je suis un gratte-ciel. Non, je ne sais pas pour toi. Moi, je suis un gratte-ciel. Mais l'esprit m'a dit, à chaque fois que tu veux un bâtiment, un édifice, une maison, un gratte-ciel, tu prends ce que tu veux. Ou les fenêtres, écoute-moi bien, ou les fenêtres, le toit ou le mur est déséquilibré, ou bien est penché, ça veut automatiquement dire que les fondements sont mal placés. C'est que quand même, moi, me dit Amen. Il y a beaucoup de filles dans ce groupe-là. À chaque fois que tu vois un bâtiment, une maison, un gratte-ciel, j'aime vos amens. Et c'est maintenant mon message commence. Où, il m'a dit, où les fenêtres? J'ai l'impression que la fenêtre est un peu penchée, que le mur est un peu fissuré quelque part, que le toit est un peu déséquilibré. L'esprit m'a dit que ça veut dire que les fondements sont mal placés. Les fondements sont mal placés. Alors, l'esprit m'a dit quelque chose qui m'a choqué. L'esprit m'a alors dit que tu ne peux pas dire que tu as reçu des bonnes valeurs, que tu as des bons principes, que tu as une bonne croyance, que tu as reçu une bonne éducation, quand ta vie reflète le péché et les blessures émotionnelles. Parce que tu ne peux pas dire que ton fondement de ta vie est bon lorsque le toit de ta maison est penché. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que tu as reçu des bons principes, tu as des bonnes valeurs lorsque ta vie est faite de péché. Parce que si la fenêtre de ta vie est sale, bien penchée, si le mur de ta vie est fissuré, ça veut dire que tes fondements sont mal placés. Je répète, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Tu ne peux pas dire que tu as des bonnes valeurs. Que tu as des bons principes, que tu es une femme de valeur, que tu es un garçon de valeur. Tu ne peux pas dire que tu as reçu des bonnes croyances, une bonne éducation, que tes parents t'ont bien éduqué quand ta vie reflète le péché, les blessures émotionnelles. Quand ta vie reflète tout ce qui te déplaît à Dieu. Quand tu luttes avec tout ce qui te déplaît à Dieu, tu ne peux pas dire ça. Parce que l'esprit m'a dit, l'état de ta vie reflète l'état de tes fondements. La fenêtre de la maison, c'est ce qu'on voit. Quand tu viens devant une maison, tu verras le portail de la maison. Tu verras le toit de la maison. Si le toit de la maison, les murs de la maison sont fissurés, tu sais automatiquement que les fondements ont un problème, n'est-ce pas? Mais quand tu vois ta vie et tu vois le péché, tu vois ce qui déplaît à Dieu, tu sais automatiquement que tes fondements ont un problème. Alors, l'esprit m'a dit, c'est l'état de ta vie qui révèle l'état de tes fondements. Ne nous parle pas d'une personne qui a des bons fondements lorsque l'état de ta vie ne révèle plus, est fissuré et déséquilibré. Lorsque tu commets ce qui déplaît à Dieu et que tu luttes avec ce qui déplaît à Dieu, c'est la preuve. C'est tout simplement la preuve que l'état de ta vie là
Que les fondements ont un problème. Que les fondements ont un problème. Ainsi, il m'a dit, si ta vie reflète ces ténèbres, si tu luttes avec ce qui déplaît à Dieu, ça veut dire que tu dois revoir les fondements et le roc de ta vie. Tu dois revenir au fondement, au roc. Mais je t'ai dit que le roc, c'est les paroles sur lesquelles tu as bâti ta vie. Autrement dit, le roc, c'est ton identité. Donc, ça veut dire que si ta vie reflète les ténèbres, tu dois revoir ton identité. Tu dois revenir à connaître, à savoir, mais qui est Dieu? Tu dois revenir à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois revenir à ça. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Entendre la vérité. Comment tu prends la vérité? En fait, ce que l'Esprit dit, c'est profond. Dieu en train de dire, ne nous parle pas d'une personne qui a des bonnes valeurs, laisse ça. Si ta vie est le reflet de tes fondements. Alors, quand l'état de ta vie est un problème, et que tu fais ce qui te plaît, ça veut dire que tes fondements, tu dois revenir aux fondements. Tu dois travailler les fondements. Tu dois revenir aux fondements. Travailler les fondements. Et c'est en cela maintenant que le marteau joue un rôle. Parce que le marteau vient briser l'Europe. Vas-y, le marteau vient travailler les fondements. Le marteau vient travailler les fondements. Et l'Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a dit une chose. Il m'a dit même le feu. Parce que j'ai dit que le feu, c'est les pulsions, n'est-ce pas, qui mènent à l'action. Il m'a dit, même les pulsions que tu ressens qui te poussent à pousser les actions, soient charnelles ou spirituelles. L'Esprit m'a dit que ces pulsions-là viennent même du roc. Ça vient même de l'identité que tu as au préalable. C'est-à-dire que même avant des pulsions que tu ressens qui t'amènent à prier, mais qui t'amènent à tomber dans le péché, en fait, dépendent, découlent d'abord de ton identité, de ton système de pensée, de comment tu te vois, de ce que tu es. Ça vient d'abord de là. C'est la source c'est l'identité. L'identité, c'est la source de toute chose. Il m'a dit, l'identité est la source de tes pulsions, et je vais te le prouver. Allons directement dans Matthieu 15, du verset 18 à 19. Je vais te prouver. Il m'a parlé. Je vais te prouver. Je vais te le prouver. Ça veut dire que même tes pulsions viennent de ton identité. Alors, en fait, tu comprends même que j'ai l'impression même que la deuxième clé pour se consacrer à la première, ça commence par revoir son identité. Ça commence par revoir son identité. Regarde, il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc, le cœur, c'est l'identité, c'est la vie. Tu es d'accord avec moi? Et c'est ce qui souille l'homme. Autrement dit, c'est l'identité qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Non, c'est l'identité que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les fautes, les mariages, mais les calomnies. Alors moi, ce verset, mon but, c'est de te montrer. Bon, prochain, oui, c'est bon. Mon but, c'est de te montrer que c'est de l'identité que viennent les pulsions. Tu sais comment? Parce qu'il regarde la première phrase, il dit quoi? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. En fait, je vais te prouver que dans ce verset, le mot bouche, c'est ça qu'il utilise pour symboliser les pulsions, pour symboliser le feu. C'est le mot bouche. Ici. Le cœur symbolise l'identité, non. Et le mot bouche symbolise ici feu. Ça symbolise ici les pulsions. Je vais te le prouver. Tu sais comment? Déjà, pour la simple et bonne raison que dans la bouche, il y a quoi? Il y a une langue. La langue se trouve dans la bouche. Regarde dans Jacques 3, verset 6. Jacques 3, verset 6. Il te dit quoi? Il te dit, la langue est aussi un feu. Ça veut dire que ce qui sort de la bouche est un feu. Mais la bouche, ça vient de quoi? C'est quelqu'un qui me comprend. Mais la bouche vient du cœur. Ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Autrement dit, ta langue là, le feu de ta langue là, vient au préalable du cœur. Vient au préalable du cœur. Ça, c'est la première raison. C'est que la bouche contient la langue. C'est ça que tu dis, la langue est aussi un feu. En fait, c'est un synonyme. Il te dit que c'est la même chose. Il n'est pas en train de dire que ça joue le rôle d'un feu. Non, il te dit c'est un feu. Il n'est pas en train de dire ça joue le rôle. Il dit c'est un feu. Ça veut dire la langue est un feu. Donc, dans ta bouche, il y a un feu. Maintenant, au verset précédent, il te dit quoi? Il dit, mais c'est de la bouche
C'est du cœur que viennent les choses de la bouche. Reviens, reviens, reviens au verset précédent, s'il te plaît. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Autrement dit, le feu, là, ça vient du cœur. Oui, ce qui sort de la bouche, c'est une langue. Autrement dit, le feu sort du cœur. Ça, c'est la première des raisons. Je vais te prouver encore, la deuxième, je vais te prouver encore que lorsqu'ici parle de bouche, il n'est pas en train de parler de paroles dites, mais il parle de fait. C'est quoi la deuxième raison? La deuxième raison, c'est tout simplement que il regarde les versets qu'il cite. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les fautes, les calomnies. Est-ce que tu penses qu'on a besoin de parler pour tomber dans la publicité? Est-ce qu'on a besoin de voler est-ce qu'on a besoin de parler pour voler? Est-ce qu'on a besoin de parler pour commettre un meurtre? Est-ce qu'on a besoin de parler pour avoir des mauvaises pensées? Mais par contre, on n'a pas besoin de parler pour faire toutes ces choses, mais on a besoin de pulsions pour commettre toutes ces choses. C'est la preuve que lorsqu'il parle de bouche, il n'est pas en train de parler de paroles audibles, il est en train de parler de pulsions. Et il te dit que les pulsions viennent du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que même, en fait, je ressens dans mon esprit qu'il y a une personne qui ne comprend pas trop. Mais ne t'inquiète pas, comme ça sera mis, regarde-le, assieds-toi dedans, tu comprendras. Tu comprendras. Dans cette, on va prendre quelques semaines pour au moins établir cette notion d'identité. Revenir à ça. C'est normal que tu ne comprennes pas la première semaine. Mais je ressens qu'il y a une personne qui comprend. Ne t'inquiète pas. Reviens dessus. Réécoute seulement le message. Tu comprendras. Va dire, non, j'ai pas compris, c'est pas grave. Non, reviens, faut réécouter. Baigne dedans. Tu vas comprendre. Amen. Je pense que je ressens. Je ressens qu'il y a une personne qui comprend pas. Mais ne t'inquiète pas. Amen. Donc, il est en train de te dire que même les pulsions que tu as là, les actions que tu mènes, toutes ces choses qui t'amènent à tomber dans le péché, viennent d'abord du fait que il y a un problème d'identité. Il y a un problème dans le cœur. Ça commence du cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Alors Dieu m'a dit, si la source de tous les problèmes, c'est le cœur, selon qu'il est écrit, garde ton cœur pour surtout choisir de lui-même les sources de la vie. Si ce que tu vis dans ta vie, ce que tu mènes, les actions que tu poses, viennent d'une question d'identité, alors tu vas devoir utiliser le marteau de la parole de Dieu pour briser les fausses identités, briser les faux fondements que tu as reçus depuis ta naissance, les mauvaises valeurs. Parce que je t'ai dit que tu ne peux pas dire que tu as des bonnes valeurs lorsque ta vie ne reflète pas ce que tu dis que tu as. Donc, il ne faut pas nous dire que moi, j'ai des bonnes valeurs qu'il faut garder. Non, je ne suis pas en train de dire que il faut briser. Parce que tu ne peux pas nous dire que ce sont des bonnes valeurs, que c'est une bonne éducation, c'est des bonnes croyances. Lorsque ta vie reflète ça, on t'a bien dit, à tel là, tu ne fais pas ça. Tu ne voles pas, tu ne sautes pas la clôture, tu sautes quand même la clôture. Donc, au final, tu comprends que ce n'est pas ta bonne éducation. Donc, tu dois briser ces mauvais fondements. On t'a bien dit de garder ta virginité quand ton mariage. Tu ne le fais pas. Donc, tu comprends alors que c'est un problème de fondement. Tu ne peux pas nous dire que tu as reçu une bonne valeur. Tu ne peux pas nous dire ça parce que ta vie reflète l'état de tes fondements. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas nous parler d'une bonne éducation alors que ta vie ne reflète pas ça. Donc, ça veut dire que maintenant, tu dois prendre le marteau. Tu dois tout casser. Ce que tu poses est bon casse. Parce qu'aujourd'hui, tu luttes avec ce qui déplaît à Dieu. Donc, tu ne peux pas nous parler de quelque chose qui est bien. Il n'y a rien qui est bien. Casse tout. Renouvelle ton intelligence. Et c'est en cela que le marteau qui brise le roc vient maintenant. Le marteau qui brise le roc, c'est la parole de Dieu qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qui va maintenant t'amener à briser tout ce avec quoi tu es venu à Christ. Parce que le problème, c'est que vous êtes venu à Christ avec des bons comportements, vous pensez que vous étiez bien. Et les personnes, quand ils parlent à Dieu, ils disent, non, moi, quand j'étais dans le monde, je me faisais des bonnes choses. Regarde. Dans le fruit du bien et du mal, il y a le bien. Mais le bien est mélangé au mal. Ça veut dire, même ton bien est mal devant Dieu. Vous pensez souvent, quand on pensait au fruit du bien, du mal, on pensait qu'à gauche, il y avait le bien, à droite, il y avait le mal. Tout était mélangé. Comme un smoothie. Comme un cocktail. Ton bien, c'est ton mal, c'est ton bien. C'est ce que Dieu voit. C'est pour ça qu'il dit que votre justice est comme un habit souillé. Toi, tu dis, dans le monde, je ne me mettais pas en colère, mais tu étais impudique. Non, dans le monde, je n'étais pas impudique, mais tu étais en colère. Tu dis, tu es souillé. Voilà pourquoi arrêtez de penser que Jésus vient pour vous améliorer. Jésus vient pour changer votre vie. Il y a quoi améliorer? Tu as quoi lui donner qu'il n'a pas? Jésus ne vient pas pour vous améliorer. Jésus vient changer ta vie. Jésus n'a pas à t'améliorer. Tu n'as rien à lui donner. Tu n'as rien à lui proposer. Voilà pourquoi on dit pour aux gens qui veulent donner sa vie à Jésus. On dit qu'il veut recevoir Jésus dans sa vie. Là, tu peux donner ta vie à Jésus, ta vie sale. Prends la vie de Jésus. Manifeste la vie de Jésus. Et pour ça, voilà pourquoi quand tu viens à Dieu, ne pense pas, ne va pas travailler sur un renouvellement, ne va pas travailler sur Jésus qui va améliorer tes fondements que tu as déjà. Brise tout. Et emprunte-toi de ces fondements à lui. C'est en cela que tu vas engager ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence.
Le renouvellement de l'intelligence, c'est le processus qui t'amène à briser par le marteau qui est la parole. En fait, c'est le renouvellement de l'intelligence, c'est la parole marteau. C'est ça qui va t'amener à briser les faux rocs et à construire en fait des nouveaux fondements sur ta vie. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la parole de Dieu que tu vas, dont tu vas t'imprégner, que tu vas saisir, que tu vas apprendre et qui va te révéler ta véritable identité en Christ. Et comment on renouvelle son intelligence? Avec des rendez-vous avec la parole de Dieu, avec la méditation, en revenant sur les enseignements, en réécoutant ce qui a déjà été dit. Tu luttes avec ce qui déplaît à Dieu. Et tu veux sortir de ce qui déplaît à Dieu. Tu dois revoir ton identité. Mais comment on fait? Renouveler ton intelligence. Comment on renouvelle son intelligence? En méditant la parole. Toi, tu veux prier, prier, prier seulement. Tu pries, prie, tu pries, prie. Et puis tu pries mal en plus. C'est pas ce que Jacques dit. Il dit, vous priez, mais vous demandez mal. Vous demandez. Vous remplissez vos convoitises. Le faites mal déjà. Tu dois venir à ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Jésus a dit, vous connaîtrez ma vérité vous affranchira. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas la prière. C'est le renouvellement de l'intelligence. Ce avec quoi tu luttes là, c'est parce que tu ne sais pas que ce que Dieu a fait de toi. Regarde, si tu sais que Dieu a fait de toi une royauté, tu ne peux pas lutter contre le péché. En fait, ton problème, c'est que tu penses que tu es une personne qui est en train de courir vers la sanctification. Voilà pourquoi tu demeures dans le péché. Mais en fait, le renouvellement déjà va t'amener à comprendre qu'en fait, je ne suis pas en train de chercher la sanctification, je suis déjà saint. Et ça va t'amener à te voir comme une personne qui est sainte. Ton problème, c'est que tu te vois comme un pécheur qui est en train de chercher à marcher dans la sainteté. Non, Dieu te dit que tu dois te voir comme une personne sainte qui doit justement pas tomber dans le péché. Tout dépend de comment tu te vois. Si tu te vois comme une personne impudique, mais qui cherche à marcher dans la sanctification, tu vas être impudique. Mais si tu te vois comme une personne qui est déjà sainte, mais qui doit juste, qui doit pas tomber dans la sanctification, qui doit pas tomber dans l'impudicité, tu vas manifester la sanctification. Ton problème, c'est que lorsque tu tombes dans l'impudicité, au lieu de te relever, tu sais pourquoi tu te relèves pas? Parce que justement, pour toi, tu es une personne impudique qui est impudique. Mais si tu te vois comme une personne sainte qui est sainte, quand tu tombes dans l'impudicité, tu vas dire non, je suis une personne sainte qui est juste tombée dans l'impudicité. Tout dépend de comment tu te vois. Tout dépend de comment tu te vois. Si tu te vois pécheur, comme un pécheur qui est en train de marcher pour avoir la sanctification, tu ne trouves pas la sanctification. Mais si tu te vois comme une personne sainte qui justement ne doit pas tomber dans le péché, c'est fini, tu ne tomberas pas dans le péché. C'est ce que tu es. C'est une question d'identité. Comment tu te vois? Je suis une royauté. Je suis une fille de valeur. Un garçon de valeur. Je ne cohabite pas avec tout le monde. Je ne sais pas tout, c'est pas dans tous les sujets que tu vas trouver ma parole. À certaines heures, je ne parlerai pas avec toi. Ce n'est pas dans toutes les sensations que je vais me mettre. Ce n'est pas dans toutes les relations que je vais me mettre. Je ne dis pas n'importe qui. Donc, je ne fais pas n'importe quoi. La conscience de qui je suis m'amène à parler d'une certaine manière, m'amène à m'habiller d'une certaine manière, m'amène à discuter d'une certaine manière. Je ne peux pas tout dire, je ne peux pas me prononcer sur tout. Non. Parce que j'ai conscience de ce que je suis une royauté. J'ai conscience que ma langue est un feu. Voilà pourquoi je ne suis pas là pour insulter, pour dire, ah, tu es bête. Ah, non, non, non. Parce que moi, j'ai conscience que je suis un feu. Peut-être que tu n'as pas conscience. Mais moi, il y a des choses que je te dis. Moi, si on rigole, je te dis, ah, toi, tu es bête. Tu as devenu bête. Hein? Tellement j'ai conscience de ma parole. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une royauté. Je fais partie de la famille du plus admirable, glorieux, véritable, sincère, admirable, honorable, appréciable, adorable de tous les chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis riche. Donc, je ne peux pas me comporter comme n'importe qui. On me prend n'importe comment. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas mendier l'amour des gens. Je suis aimé. À ma naissance, la Bible dit qu'un pécheur se répandit à la fête au ciel. À ma naissance, il y a une fête au ciel pour moi. Je ne suis pas rejeté. Tu peux pas me dire que je suis rejeté, tu sais qui je suis. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je me comporte comme tel. Oui, il y a des personnes, vous voyez des trucs. Ah, oui, là, là. C'est pour ça que tu vas demeurer comme ça. Vous voyez des choses un peu, une personne fait quelque chose. Aïe, oui, là, là, là. Aïe, là. Parce que tu ne sais pas qui tu es. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi tu sois riche? C'est une question d'identité. Je suis élevé. Je n'ai pas à avoir peur de ce qui me pourchasse la nuit. Tu me pourchasses, je me retrouve quand je te pourchasse. Et je t'attrape, je te détruis. Parce que quiconque tombe sur moi s'écrase, celui contre qui quiconque tombe sur moi se brise, celui contre qui je tombe, je l'écrase. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une royauté. J'ai été élevé avec lui, Éphésiens 1. J'ai été élevé avec lui au-dessus des principautés, des dominations et des autorités. Je suis élevé au-dessus des anges, au-dessus des démons, au-dessus des archanges. Je suis assis à sa droite en Jésus-Christ. Je ne suis pas n'importe qui. La puissance de l'ennemi est sous mes pieds. On n'est même pas face à face. Voilà pourquoi on ne combat pas. Je ne combattrai pas contre un démon. C'est une insulte. Il est en bas de moi. Parce que tu ne comprends pas ça que tu luttes. Revois ton identité.
C'est une question d'identité. Je n'ai pas de mal à prier. La prière, c'est normal. La prière, c'est la communication entre mon père et moi. Est-ce que tu as du mal à parler à ton papa? Tu as du mal à parler à ton papa? Tu as du mal à communiquer avec un membre de ta famille? Pourquoi j'aurais du mal à communiquer avec mon père? C'est une question d'identité. Est-ce que tu as besoin de faire la grève de la faim pour que ta maman te parle? Est-ce que tu as besoin de ne pas manger dans la maison pour que tes parents fassent attention à toi? Alors pourquoi tu jeûnes pour que Dieu fasse attention à toi? Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité. Tu as peur parce que tu ne sais pas que celui qui habite en toi est le plus fort. Tu as peur parce qu'il ne t'a pas révélé qui tu es en lui. Tu as une terreur. Le démon qui te fait la guerre, quand il te touche, il a peur de toi. Vous voyez les garçons quand ils mettent quelque chose au feu, non? Quand ils mettent de la nourriture dans de l'huile au feu. Vous voyez comment ils sautent, non? Là, il me dit que vous savez que Dieu existe. Vous faites bien. Les démons aussi savent et ils tremblent. Ça veut dire que lorsqu'un démon veut te perturber, là, il est comme quelqu'un qui vient mettre quelque chose dans une huile en feu. Il te touche, il peut mettre la peur, mais tu ne le vois pas. Tu penses qu'il est là, il te regarde. Ah, il a peur. C'est un terrorisé, un dépouillé, un désarmé en Jésus-Christ. Tu ne sais pas qui tu es. Revois ton identité. Toutes ces choses-là, ce n'est pas la prière qui m'a appris ça. C'est des rendez-vous avec la parole. C'est des rendez-vous avec la parole. C'est des rendez-vous avec la parole. Avec des méditations, avec des enseignements. Reviens sur les messages. Ça fait plus de 1 an que je prêche. Qui a déjà regardé mon message? Vous écoutez seulement. Quand quittez la défi. Vous voulez pas revenir sur les messages. Mais vous pensez que Dieu ne parle pas au travers de moi. C'est ton problème. Je regarde une fois. Il ne faut pas ça. Il faut baigner dans les mêmes enseignements. Moi, il y a un enseignement, quand je vais en retrait, je le regarde tout le temps. C'est un enseignement du pasteur Marcelo. Quand je vais en retrait, je le regarde tout le temps. Tout le temps. Ça parle des serviteurs de Dieu. Il commence le message en disant, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui retourneront au royaume des cieux. Vous savez, quand je vais en retrait, je regarde ça avant de sortir. Parce qu'il me dit, au moins, on va voir si vraiment, est-ce que c'est une serviteur d'iniquité ou pas. Il faut baigner dans les enseignements qui bâtissent une identité. On va en parler dans les semaines qui suivent. Mais tu dois comprendre cela. Tu dois revoir ça. Tu dois travailler la méditation, travailler l'enseignement, travailler ta capacité à avoir des rendez-vous avec Dieu. Au début de ma marche avec Dieu, au début de ma marche avec Dieu, chaque soir, personne ne me disait de le faire. C'était pendant le Corona d'ailleurs. Il y avait personne qui me disait. Je prenais 3 heures, 4 heures, face à face avec la Bible. Je ne comprenais rien, c'est vrai. Non, je ne comprenais rien. Franchement, je ne comprenais rien. Mais j'étais là. Et je disais. J'étais là, je disais. J'étais là, je lisais. Ça ouvrait mon esprit. Sur, pas ce qu'il va faire de moi. Non. Ce qu'il a déjà fait de moi à la croix de Golgotha. C'est ça la rédemption. C'est ça la délivrance. J'ai déjà été pardonné. Celui qui m'a pardonné ne m'a pas pardonné dans le temps. Il m'a pardonné dans l'éternité. Et dans l'éternité, on voit le passé, le présent et le futur. Ça veut dire que celui qui m'a pardonné a déjà pardonné ce que je vais commettre demain. Culpabilité, tu m'as menti. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi tu penses que ce que tu as commis, vous avez une mauvaise mentalité? Non, parce que j'ai fait ça, c'est pour ça que je suis en train de récolter ce que j'ai semé. Hey, c'est pour ça que tu vas récolter. Oui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu ne peux pas me condamner pour moi. Même si je pêche, à partir du moment où la Bible dit confessez, que celui qui confesse. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle de juste de vous pardonner. Dès que j'ai confessé, c'est fini. Pas, c'est à zéro. Mais toi, tu penses que le pardon, là, tu dois demander pardon, tu dois pleurer dans la prière. Et puis tu penses que tu vas te faire câlin. Tu n'as rien compris. Le pardon, c'est la foi. La marche avec Dieu, c'est la foi. Aussi, mon juste Père, la foi, je ne prends plus plaisir en lui. Dès que tu as commis un péché, Seigneur, pardonne-moi. Quel que soit le péché, pardonne-moi. C'est fini. On est passé à autre chose. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas, tu n'as pas besoin de ressentir. Tu as besoin d'avoir la foi. La foi, ce n'est pas les sentiments. La foi, ce n'est pas les émotions. La foi, c'est une conviction. Revois ton identité. Tu penses que tu es un pécheur, voilà pourquoi tu cours vers la sainteté. Mais quand tu sais que tu es saint, je ne suis pas. En fait, le diable va me faire croire que je suis un pécheur. Je suis saint. Et quand je tombe dans le péché, je suis juste une personne sainte qui est tombée dans le péché, qui n'a pas gardé son cœur. Mais je ne suis pas un pécheur. Non, je suis une personne sainte qui est tombée dans le péché. Donc je me relève et je continue. Même situation, mais différents plans de vue. Où est-ce que tu te places pour regarder la situation? Je ne suis pas n'importe qui. Tout est une question d'identité. Donc le marteau de la parole de Dieu va t'amener à chercher la parole, à avoir des rendez-vous avec la Bible. Là, pourquoi on a fait les fiches bibliques, c'est pour ça.
C'est inspiré, hein, les fiches bibliques là. Voilà pourquoi on fait les enseignements et on les enregistre. Est-ce que tu sais qu'on paye? Si toi tu sais pas, c'est pour ça que tu regardes pas. Tu veux qu'on te voit la facture? Deux fois des rendez-vous avec la parole de Dieu. Faut des rendez-vous avec la parole de Dieu. Où Dieu t'explique qui tu es. Où Dieu s'assoit et te dit, regarde. Le psalmiste a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Hey! Donc la Bible te dit, Dieu t'a couronné d'honneur et de gloire. Moi? Lui, toi? Des rendez-vous avec la parole, c'est par la prière. Qu'est-ce que l'homme? Que tu fasses attention à lui. Ça veut dire que tu te sens rejeté. Et le psalmiste te dit, qu'est-ce que l'homme? Ça veut dire que toi, la manière, tu vois une fourmi, c'est pour ça que tu te vois. Mais malgré que Dieu te voit comme une fourmi, il pense à toi. Tu dis quoi? Si moi, tout de suite, je veille sur une fourmi, à quel point on va se sentir aimé? La plus forte raison, moi qui suis une fourmi devant Dieu. Mais je dois me sentir aimé aussi. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Les yeux du Seigneur parcourent la terre. Et ils cherchent. Il a dit, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Je fais partie du peuple de Dieu. Une race élue. Une sacerdoce royale. J'ai une couronne. Je suis une reine, un roi. Oh, wow. Un sacrificateur. C'est-à-dire, j'ai accès à sa présence. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, je ne fais pas n'importe quoi. Tu luttes avec ce qui déplaît à Dieu parce que tu n'as pas la conscience de ton identité. Tu n'as pas la conscience de ton identité. Alors, engage le marteau de la parole de Dieu. Engage le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Sabra de Ketiribi Shandaba Yaba Shandiri Satan. Tandu de Bri Satara Bouizi Ketiki Tikita. Au nom de Christ. Amen.